sénateur maire de Lyon, président de la métropole, monsieur le ministre, chers confrères, madame et messieurs les députés du Rhône, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des institutions, mesdames et messieurs, chers amis, cher Gérard. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans cette belle salle des mariages et du conseil pour la traditionnelle cérémonie de vœux. Notre pays vient de vivre un puissant traumatisme. À travers l'assassinat de 17 personnes, ce sont des valeurs essentielles de notre République qui étaient visées. La laïcité, la liberté de pensée et d'expression. À ces 17 victimes, je veux d'abord rendre hommage. Face à ces actes abominables, les Français, qu'on dit déprimés, résignés, divisés, se sont mobilisés au-delà de tous les clivages politiques, sociaux, religieux, pour défendre les fondements de notre démocratie, pour dire non à la barbarie. En effet, comme l'écrivait dans le quotidien Le Monde le philosophe-sociologue Frédéric Lenoir, il n'y a pas de guerre religieuse, ni de guerre de civilisation. Il y a une confrontation entre ceux qui sont civilisés, quelle que soit leur appartenance religieuse ou ethnique, et des individus ou des groupes qui ne sont plus civilisés et qui ont même parfois perdu tout sens d'humanité. En ce dimanche 11 janvier, la France, et notre ville en particulier, unie, tolérante, s'est levée, s'est dressée contre l'obscurantisme, contre ce que Voltaire dénommait l'hydre du fanatisme religieux. L'union s'est faite pour proclamer notre attachement à la pensée humaniste issue des Lumières qui fondent les lois de notre République. Tous ensemble, nous avons donné une admirable réalité au mot fraternité. Mais nous savons aussi que cette unité ne survivra pas au temps de l'émotion. Nous voyons déjà avec effarement l'intérêt que suscitent chez certains les théories du complot. Je partage l'opinion exprimée il y a quelques jours dans le quotidien Libération par Madame la professeure Greg Delmas-Marty, une initiation aux droits de l'humanité et en particulier au pluralisme est nécessaire pour tous et doit être intégrée au programme scolaire. En effet, les conventions internationales et notamment la déclaration de l'UNESCO de 2001 affirment que le pluralisme des cultures et des religions est le patrimoine commun de l'humanité. Au plaisir que j'ai de vous recevoir se mêle une certaine émotion. Émotion à vous voir si nombreux. Ce soir, notre salle des mariages et du conseil est trop petite. Je salue donc aussi celles et ceux qui sont dans le grand hall. Il nous faudra trouver pour les années prochaines un autre lieu qui puisse tous nous rassembler dans une même salle. À la place qui est la vôtre, vous agissez pour que le 7e arrondissement de Lyon soit toujours plus dynamique, plus solidaire, plus agréable à vivre. Vous représentez les différentes institutions civiles, religieuses, militaires, économiques, sportives, culturelles, mais vous êtes d'abord la population de cet arrondissement, sa vraie richesse. Émotion aussi parce qu'il s'agit pour moi de ma première cérémonie de vœux en tant que maire. Alors je vous présente à tous des vœux de réussite et de succès dans vos projets, des vœux de santé, des vœux de bonheur et d'épanouissement dans votre vie personnelle. Lorsque tu m'as proposé, cher Gérard, d'être tête de liste dans le 7e pour les élections municipales de mars dernier, je n'ai pas hésité. Simple citoyenne, j'étais déjà témoin du développement de notre cité, de sa métamorphose depuis 2001. Désormais, à tes côtés, je participe à ces changements. Nous travaillons de toute notre énergie, de tout notre cœur au service des habitants qui attendent de leurs élus
compréhension et proximité. Je veux vous dire combien je suis désormais heureuse de cette responsabilité de mère. Dans un arrondissement que je connais bien, puisque je l'habite depuis près de 30 années et que j'ai exercé mon activité professionnelle. Alors, mon emploi du temps ne s'est pas allégé, bien que j'ai délaissé cette activité professionnelle, car tu m'as confié en outre un passionnant projet, celui de mener à bien le projet culturel de la toute nouvelle métropole. Et comme je l'ai annoncé dans ma campagne électorale, je veux faire de ce mandat 6 années de progrès pour le 7e, 6 années d'attention portée à tous, sans exception, car le dynamisme de notre ville ne doit laisser personne de côté. Émotion encore, car dans cette fonction de maire, je succède à Jean-Pierre Flaconèche, qui a passé plus de 30 années de sa vie d'élu au service de cet établissement, et qui en a été maire durant 13. Il m'a passé le relais avec une élégance et une simplicité exceptionnelles. Cher Jean-Pierre, tu es parmi nous ce soir, je t'en remercie chaleureusement. Tu vois combien les habitants de notre arrondissement te restent attachés. Alors la période des vœux est toujours propice aux illusions d'un avenir radieux et aux perspectives étincelantes. Mais très vite, la réalité prend le dessus. Chacun sait combien la situation économique de notre pays est difficile, combien les équilibres financiers de nos collectivités sont délicats, notamment avec la baisse des dotations d'État. Alors, s'il ne m'est pas encore possible de vous annoncer ce qui pourra être réalisé, je voudrais vous affirmer l'axe fort de mon engagement, que l'enfant et la jeunesse soient au centre de nos priorités. Nous devons leur proposer les meilleures conditions d'éducation et d'épanouissement. En matière scolaire, notre projet principal sera bien évidemment la création d'une nouvelle école primaire, élémentaire et maternelle de 18 classes dans la ZAC des Girondins. Les groupes scolaires Gilbert Dru et Jean-Pierre Veillet se verront réaménagés ou étendus. À Marcel Pagnol, c'est un nouveau restaurant scolaire qui ouvrira dès la prochaine rentrée. La cité scolaire internationale bénéficiera quant à elle d'une enveloppe pour travaux et une étude sur son extension sera menée. Je pense encore aux étudiants, si nombreux dans le 7e, dans nos universités et nos établissements supérieurs d'excellence. Dès septembre, le pôle universitaire des quais prendra son visage définitif. Car c'est bien l'un des rôles de l'éducation, de lutter contre les fractures sociales et culturelles que connaît notre société, en favorisant l'éducation à la citoyenneté. C'est pourquoi nous avons décidé de créer dans la mairie d'arrondissement une délégation spécifique et d'initier une permanence jeunesse, geste 7, pour informer, conseiller et orienter les 16-25 ans. Dans le domaine social et de la jeunesse, le pôle social et culturel, lui aussi dans la ZAC des Girondins, offrira un relais de proximité supplémentaire pour les plus jeunes. Et parce que je connais les besoins des familles de notre arrondissement, ces locaux intégreront un équipement d'accueil de la petite enfance. Je voudrais également vous témoigner mon attachement aux vertus formatrices et émancipatrices du sport et de la culture. Nous ne manquerons pas de projets dans ce mandat pour proposer une offre de loisirs diversifiés. Avec le centre nautique du Rhône, bientôt ouvert toute l'année, avec la rénovation de la piscine de Gerland, avec le début des travaux du gymnase du Bonlay que nous avons présenté hier aux riverains et qui sera livré en 2016. Je veux citer un autre projet sportif qui va nous permettre de poursuivre la réappropriation du fleuve Rhône.
Il s'agit de la création d'une base nautique dans le parc des Berges, en lieu et place des actuels bungalows qui abritent le club de canoë-kayak Lyon-Moulins-la-Mulatière. C'est un projet doublement innovant. D'une part par sa structure, le bâtiment sera écologique, fait de containers recyclés et de bois. D'autre part, par son financement, puisqu'il sera financé avec une aide de la Compagnie nationale du Rhône. Il faut aussi favoriser l'accès de tous à la culture. Montesquieu écrivait très justement « Les hommes sont comme les plantes, qui ne croissent jamais heureusement si elles ne sont bien cultivées ». Ma délégation de vice-présidente de la métropole n'aura de cesse de porter cette nécessaire ambition. Et comme maire, j'attends avec la même impatience que vous l'ouverture de la nouvelle médiathèque de Gerland en 2017. D'ici là, le 7e sera l'un des territoires qui accueillera, à partir de septembre, dans le cadre de la Biennale d'art contemporain, la plateforme Védutin. Ce sera une première pour notre arrondissement. Védutin, c'est une formidable occasion de faire sortir l'art hors des murs traditionnels, de le mettre surtout à portée de la population la plus large, en faisant des habitants les médiateurs de l'œuvre auprès des grands Lyonnais, des curieux, de tous les amateurs qui viendront à Lyon pour la Biennale. Le thème sera l'autre, et je trouve qu'il convient parfaitement à la multiculturalité du 7e. Les artistes et le lieu ne sont pas encore connus, mais je vous assure de l'attention que je porterai à leur choix pour faire en sorte que ce laboratoire de création artistique laisse un grand et beau souvenir à tout l'arrondissement. Alors, si j'ai souhaité placer ces vœux du 7e sous le signe de la jeunesse, c'est parce que notre arrondissement est aujourd'hui l'un des plus dynamiques de la ville. Il connaît le plus fort taux d'évolution démographique. Au passage de l'an 2000, nous étions 61 000 habitants. Au 1er janvier 2015, nous sommes 75 746. Ce qui veut dire que le 7e a accueilli chaque année plus de 1000 nouveaux habitants et la moitié de sa population a moins de 30 ans. Dans les années qui viennent, les projets et réalisations en matière d'aménagement urbain continueront d'être très importants. Pour Gerland, la ZAC des Girondins, l'îlot de Fontenelle, village du 75 rue de Gerland, le réaménagement de son parc. Du côté de la Guillotière, l'achèvement du parc Blandan, la restructuration urbaine du quartier du Vivier et le projet qui prolonge Mazagran. Mais la conduite d'une ville, d'un arrondissement, ne se résume pas à une liste d'équipements. Bien sûr, pour répondre au dynamisme démographique, de nouveaux équipements publics sont nécessaires. Il faut des crèches pour accueillir les tout-petits, pour permettre aux parents, et particulièrement aux femmes, de débuter et de mener une vie professionnelle sans à-coups. Il faut des écoles, des stades, des gymnases, des espaces verts, des bibliothèques, pour une ville agréable à vivre, attractive et solidaire. Mais avoir la responsabilité d'une ville, et même d'un arrondissement, c'est se préoccuper du fonctionnement au quotidien de ses quartiers et du bien-être de ses habitants. C'est refuser de s'isoler dans sa fonction d'élu. C'est être à l'écoute de la population et s'assurer de sa participation dans l'élaboration des projets. C'est pourquoi j'ai saisi dès mon arrivée le conseil du quartier Jean Massé pour qu'il réfléchisse au réaménagement du stade du Colombier. On me dit qu'à Lyon, il s'agissait d'une première saisine d'un conseil de quartier par un maire d'arrondissement. Je veux rassurer les conseils de quartier Guillotière et Gerland. Je suis à l'écoute aussi de leurs propositions pour penser l'amélioration du cadre de vie des territoires de l'arrondissement. Alors, la métropole lyonnaise, née au premier jour de l'année nouvelle, constitue elle aussi une grande première. Je sais, cher Gérard, que tu vas nous en parler, nous dire en quoi elle rendra l'agglomération plus forte, mais aussi plus proche des citoyens.
J'entends bien faire participer ma délégation de la culture à cette nouvelle page de l'histoire du Grand Lyon. Je vois dans cette salle nombre d'acteurs culturels avec lesquels j'ai engagé un dialogue pour poser les fondations d'une politique culturelle audacieuse, pour mettre à l'honneur la création et essaimer au plus près des besoins et des attentes de nos concitoyens. Je remarque aussi la présence ce soir de plusieurs représentants des services de la métropole. Ce n'était pas un critère de recrutement, mais il se trouve qu'ils sont nombreux à habiter le 7e arrondissement. Je tiens à vous remercier d'être là ce soir et je mesure le travail qui nous attend. Alors, je vous ai dit au début de mon intervention le plaisir et l'émotion que je ressentais dans ma nouvelle fonction de maire. Pour terminer, je voudrais y ajouter la fierté que j'ai de conduire l'équipe du 7e. Nous avons mené la campagne ensemble et nous avons partagé nos enthousiasmes. Aujourd'hui, tous les élus du conseil de l'arrondissement travaillent ensemble, tendus vers un seul objectif, l'intérêt général. Lors de la soirée de réception des nouveaux habitants, l'un d'entre eux m'a dit qu'il sentait une véritable équipe à la tête du 7e arrondissement. On ne pouvait nous faire de plus beaux compliments. Et j'associe bien naturellement à l'équipe les collaborateurs du cabinet et la direction des services de la mairie d'arrondissement. Me voici donc au terme de mon propos. Alors, que dire de plus à l'aube de cette année 2015, après la tragédie qui l'a ouverte ? C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, écrivait Hannah Arendt. L'être humain ne doit jamais s'arrêter de penser. C'est le seul remède contre la barbarie. Alors je fais un dernier vœu, le vœu d'une jeunesse formée, éduquée, cultivée, apte à distinguer dans un esprit de pluralisme les idées qui choquent de celles qui relèvent de l'incitation à la haine, de la provocation au crime et de son apologie. C'est avec cet espoir que je vous renouvelle mes vœux pour 2015. Je vous remercie. Madame la maire du 7e arrondissement, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est avec toujours autant de joie que je vous retrouve pour cette cérémonie des vœux. Vous l'avez vu, je crois que Myriam Picot et son équipe méritaient votre confiance et qu'ils vont, avec vous, faire du 7e arrondissement un arrondissement en mouvement sur le plan économique, en mouvement du point de vue du développement urbain, mais aussi en mouvement pour créer cette solidarité dont on voit aujourd'hui combien elle est nécessaire. Je veux, à mon tour, saluer Jean-Pierre Flaconèche, votre ancien maire. Je l'ai croisé tout à l'heure et je l'ai vu comme un peu rasséréné. Il est vrai que l'exercice des fonctions de maire, que ce soit maire de la mairie centrale ou que ce soit celle d'une mairie d'arrondissement, est quelque chose qu'il est toujours difficile à porter, en tout cas qui demande un grand sens de la responsabilité. Myriam Picot a évoqué notre début d'année tragique. Ce 7 janvier sera pour moi gravé dans ma mémoire. Vous voyez, ce jour-là, je devais présenter mes vœux à la presse
Et donc, j'avais réuni à l'hôtel de ville une centaine de journalistes qui arrivaient vers 11h30 quand arriva la nouvelle de la tragédie de Paris. Et nous étions les uns et les autres frappés de stupeur. Et tout d'un coup, les mots, les idées n'avaient plus la même signification. Je m'apprêtais à leur parler de la métropole, mais même la métropole, si essentielle pour l'avenir de notre agglomération, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure, paraissait pleine de vide par rapport à ce que nous étions en train de vivre. Et avec eux, avec les journalistes, nous avons souhaité que nous puissions réagir, que la ville de Lyon, notre agglomération, puisse réagir. Et en l'espace de quelques heures, place des Terreaux, plus de 15 000 Lyonnais s'étaient rassemblés. Rassemblés à la fois dans leur émotion, pour dire leurs sentiments, leur peine devant la tragédie qui s'était passée le matin, puis en même temps, je crois, pour exprimer leur volonté d'unité, leur volonté d'une société qui soit une société rassemblée. Le dimanche qui a suivi, dans les rues de Lyon, il y avait 300 000 personnes. Et j'ai vu dans cet immense rassemblement la volonté de toute une société de pouvoir se retrouver, par-delà les sensibilités politiques, par-delà les appartenances religieuses, unies avec une volonté de montrer que nous voulions vivre ensemble dans notre diversité. Mesdames et messieurs, ce matin j'étais au vœu du tribunal de grande instance. Je me suis un peu reconnu dans les propos du président qui est ici devant moi. Il disait « Depuis quelque temps, nous vivons dans l'urgence organisationnelle ». Permettez-moi de vous dire que pour ce qui concerne la métropole de Lyon, nous sommes un peu dans les mêmes dispositions, avec les mêmes difficultés. Alors, il définissait en même temps ce que l'urgence organisationnelle peut entraîner sur les comportements de stress. Nous essayons, dans ces instants où nous sommes un peu bousculés, de garder la plus grande sérénité malgré tout. Mesdames et messieurs, oui, cette métropole est une création importante. Est une création importante parce qu'elle va nous permettre d'avoir une action plus globale encore sur notre société. Vous connaissez ce qu'étaient les compétences de la communauté urbaine de Lyon. Communauté urbaine de Lyon, c'était celle qui se préoccupait de la dynamique économique de l'agglomération. Et dans cet arrondissement à Gerland, vous savez bien ce que signifie dynamique économique. Laurent Davzy, spécialiste de l'économie des territoires, est venu à Lyon samedi. Et il disait à celles et ceux qui l'écoutaient que la métropole de Lyon était un des seuls territoires qui avait continué à créer des emplois pendant que notre pays, depuis 2008, depuis les débuts de la crise, en perdait 200 000. Évidemment que cette dynamique économique est importante. La communauté urbaine, c'était l'institution qui s'occupait d'aménagement urbain. Et voyez de ce point de vue comment notre ville, notre agglomération a bougé. Vous avez en face de vous, de l'autre côté du Rhône, le quartier de la Confluence. Mais c'est aussi, évidemment, votre quartier de Gerland qui, en l'espace de quelques années, est en train de totalement se transformer. Oui,
Nous avions une capacité à faire bouger la vie. Mais les compétences sociales, celles qui s'occupent des plus fragiles dans notre société, étaient au Conseil général. C'est le Conseil général qui s'occupait de celles et ceux qui sont les plus loin de l'emploi. Les allocataires du RSA, ils sont 46 000 dans notre agglomération. C'est le Conseil général qui s'occupait des personnes âgées, des personnes handicapées, qui s'occupait de l'enfance en difficulté. Je veux dire que, pour ma part, j'ignorais l'acuité de ces problèmes jusqu'à ce qu'un jour, j'aille visiter l'IDEF, qui est une institution qui, au parc de Bron-Parilly, accueille l'ensemble des mineurs en danger. Et croyez-moi, lorsque vous touchez cette réalité, ça fait un choc. Et vous comprenez ce qu'est la misère d'une société. Alors, nous avons décidé que ces deux grandes compétences, il fallait les réunir ensemble. Et c'est cela le projet de la métropole. Faire que nous puissions agir de manière globale pour le développement économique, pour l'aménagement urbain, mais qu'en même temps, nous puissions être dans la proximité, attentifs à ceux qui, dans notre société, sont le plus en difficulté, les plus fragiles. Évidemment, l'on comprend que cela a du sens. Réunir dans une formule que j'emploie souvent depuis, l'urbain et l'humain. Évidemment que cela a un sens. Nous voyons bien au travers des événements tragiques que nous vivons, que nous venons de vivre, que notre société connaît aujourd'hui de profondes fractures. Des fractures qu'il est indispensable de relever si nous ne voulons pas demain connaître encore de pires difficultés. C'est le président du club de football l'AS Duchère du 9e arrondissement qui donnait une interview au Progrès ce dimanche, très très belle interview, qui disait, attention, nous sommes dans une société où nous vivons côte à côte et non pas ensemble. Ce côte à côte peut évidemment devenir demain un face à face. Et donc il y a urgence à pouvoir construire, à pouvoir réconcilier, à pouvoir faire en sorte qu'on lie à la fois dynamique économique, mais en même temps qu'il n'y ait pas d'exclus. Vous le savez, dans les quartiers de France, les placés en zone sensible, 20% de chômage, 25% quelquefois, 40% chez les jeunes. Évidemment que c'est un problème fondamental. C'est un problème que nous essayons de résoudre dans notre agglomération. Et la métropole va nous apporter encore de nouveaux outils. Alors, mes chers amis, tout à l'heure, votre maire vous a décrit un arrondissement en mouvement. Évidemment que ce quartier est en train de bouger dans l'ensemble de ses secteurs. Il bouge du côté de la Guillotière avec l'aménagement de la place de l'espace Mazagran. Ah, l'espace Mazagran. Que de débats, que de discussions, que de positions différentes. Et il fallait essayer d'avancer. Eh bien, nous sommes en train d'y parvenir. Et d'idées théoriques, largement débattues, largement contredites, il va devenir demain réalité. Et cela va changer toute l'ambiance qui se trouve dans ce quartier. Nous sommes en train, comme l'a dit Myriam Picot, du côté des quais, de terminer la réalisation du centre nautique de la piscine du Rhône. Et là aussi, que de débats sur les tarifs, évidemment. Chacun souhaite toujours que les tarifs soient le plus bas possible. Mais je rappelle simplement un fait simple,
c'est que ce que ne payent pas les usagers, c'est les contribuables qui le payent. Et donc qu'il est indispensable de tenir un équilibre entre les uns et les autres, surtout dans la situation où nous sommes, et donc je vous dirai quelques mots. Du côté de Gerland, évidemment que c'est un quartier qui est en plein mouvement sur le plan économique. Nous avons créé ce que nous appelons le biodistrict. Il faut savoir aujourd'hui que ce qui se passe à Gerland est regardé dans le monde entier. À la fin de ce mois, la semaine prochaine, il y aura en Chine, du côté de Wuhan, un laboratoire P4 qui a été réalisé comme une réplique du laboratoire que nous avons sur le quartier de Gerland, qui permet de traiter les maladies les plus difficiles, les virus qui nous terrorisent et sur lesquels il faut progresser. Et donc c'est Lyon qui se trouve à l'avant-garde. C'est Alain Mérieux qui a porté ce beau projet avec les équipes de l'INSERM, avec celles du CNRS, avec toutes celles et tous ceux qui travaillent à Gerland. Oui, ce quartier est aujourd'hui repéré comme un des pôles d'excellence mondiaux de la santé, comme une des clés des sciences de l'avenir. Et cela, je crois, peut faire notre fierté, en même temps qu'évidemment, cela développe beaucoup d'emplois pour celles et ceux qui demain viendront travailler dans les entreprises qui viennent de s'installer ou qui sont en passe de s'installer. Ce quartier, c'est à la fois le développement économique, c'est le développement de la ville. Et tout à l'heure, Myriam Picot disait combien l'évolution démographique du 7e arrondissement était conséquente en l'espace de quelques années. Mais voyez, en même temps, nous voulons construire une autre ville, une ville différente. Une ville où la nature retrouve sa place au cœur de la ville. Ce que nous avons fait ensemble sur Blandan, c'est extraordinaire. Et le président de l'association est devant moi. C'est un projet dont nous avions rêvé il y a une dizaine ou une quinzaine d'années et qui est aujourd'hui réalisé. Et de quelle manière ? Extraordinaire ! Un des plus beaux parcs de l'agglomération, devenu aujourd'hui une référence dans le monde entier. Eh bien, c'est avec ce souci que nous construisons la ville de demain. Vous avez vu l'allée de Fontenay aujourd'hui réalisée. Vous avez vu la façon dont nous aménageons la ZAC du Bonlay. Nous allons aller plus loin avec la ZAC des Girondins. Faire qu'il n'y ait plus d'opposition entre la ville et la nature. Quel est finalement sur ce point notre projet? Vous le voyez avec les berges du Rhône, avec les villes de Saône. C'est de faire en sorte qu'on puisse être dans la ville, mais pas dans le béton, pas dans le minéral. Avoir des espaces de respiration au plus près de chez soi ou bien sur des grands parcours à travers la ville. Voilà ce que nous sommes en train de réaliser sur ce quartier de Gerland, qui est un peu un symbole de ce que nous réalisons aujourd'hui dans toute l'agglomération. Mesdames et messieurs, moi je suis extrêmement heureux de pouvoir continuer à la fois à être le maire de cette ville qui est devenue une grande ville. Je lisais dans le Progrès ce matin que c'était la deuxième ville aujourd'hui en France dont parlait le plus dans les journaux, et en particulier dans les journaux étrangers. Peut-être parce que nous sommes une ville en mouvement, une ville qui ne se fiche pas dans les conservatismes du passé, mais qui veut sans cesse aller de l'avant. Eh bien, nous allons continuer à impulser ce mouvement, malgré les difficultés du moment. Difficultés financières, évidemment. La baisse des dotations de l'État, Monsieur le Président, ne s'applique pas qu'aux tribunaux de grande instance, s'applique aussi aux collectivités locales.
Et je faisais aujourd'hui le budget du Grand Lyon. Et nous calculions combien nous allions perdre sur les 6 prochaines années, c'est-à-dire sur l'espace de notre mandat. C'est 1 milliard d'euros cumulés que nous allons perdre sur les 6 ans. Alors évidemment que cela demande un peu de réactivité, de faire en sorte que nous puissions prendre à bras le corps cette réalité financière. Et tout à l'heure, je présentais mes vœux aux agents de la métropole. Alors, bon, ils avaient cru un peu que la façon dont se faisait la métropole, c'était le meilleur du Conseil général, du point de vue financier, du point de vue temps de travail, puis le meilleur du Grand Lyon. J'ai été contraint de leur expliquer que cela ne pouvait pas être la réalité et que dans le même temps que nous nous donnions des missions de service public, rendre un meilleur service au public, et tout à l'heure je vous les ai énumérés, en particulier vers les populations qui sont les plus fragilisées. En même temps, bien évidemment, il faut que cette mutualisation entre le Grand Lyon et le Conseil Général, et demain dans la proximité avec les communes, soit source d'économie, faire en sorte que nous puissions beaucoup continuer à réaliser, tout en ne laissant pas exploser les dépenses de fonctionnement de nos budgets. Voilà, mesdames et messieurs, tout cela demande à la fois, comme le disait votre maire, de l'énergie, de l'enthousiasme, mais nous n'en manquons pas. Je terminerai par une citation. Elle est de Gaston Bachelard, qui disait « Il faut que la volonté imagine trop pour réaliser assez. » Eh bien, nous, nous voyons très grand pour pouvoir réaliser assez pour la ville de Lyon. Merci. Thank you.